Le cinquième match de ce tournoi de Geneva Cup U16 va mettre aux prises l'équipe de Bâle à la formation de l'AC Milan. AC Milan mal payé face à Benfica qui s'est incliné 1-0, tandis que de son côté, Bâle a connu la victoire face à Merin pour déjà pratiquement obtenir son billet pour les demi-finales. Hein. L'équipe de Bâle, si elle remporte la victoire face aux Milanais qui, de leur côté, bien évidemment, ont besoin d'une victoire également pour rester en course. Ça nous laisse en tous les cas espérer une très très belle rencontre entre l'équipe baloise entraînée par Werner Mogg et la formation d'Alessandro Lupi. Avec ce contrôle du joueur rennais hein, qui se sort du marquage des défenseurs. Malinowski qui peut servir sur le côté avec le crochet. C'est bien joué de la part d'Urana qui met dans l'axe du terrain le tir. Ouais, c'est contré par le portier. Sauvetage de Lorenzo Baraglia sur ce service vers Daniele Vesco qui ne marquera pas son troisième but sur cette phase de jeu. Et vraiment, vraiment une très très belle occasion de marquer le 1-0 pour les joueurs balois. Les joueurs rennais qui font vraiment une très belle entrée en matière hein, dans cette rencontre avec ce service sur Malinowski. Le crochet, c'est bien fait de la part du numéro 15 avec une frappe qui passe par-dessus le but. C'est le joueur le plus en évidence depuis le début du match avec encore une fois ce très très bon travail et surtout la feinte de tir pour finalement se mettre dans l'axe du but et possibilité intéressante pour les Balois. C'est la deuxième, les joueurs de l'entraîneur Werner Mogg qui ont vraiment pris le meilleur départ dans ces 9 premières minutes. C'est une sérieuse chance de but là pour les Milanais. Ça va être Luca Guidoni, la frappe directement dans le mur, il ne s'est pas désuni. Et c'est finalement dégagé avec l'interception de Francesco Buzanca qui va décaler dès le 27. Avec l'accélération là, dans le jeu de Buzanca qui va glisser ce ballon devant lui. Viola qui a laissé passer avec ouais, le crochet, c'est bien fait, la frappe. Ouais, c'est détourné par le portier. Malinowski avec ce coup franc de la 16e minute. Ballon mis dans l'axe du terrain. Ouais, c'est un ballon trop facile là, pour le portier. Aucun danger pour Lorenzo Barbaglia qui a pu dégager. Ça demeure hein, pour le moment une partie assez équilibrée entre les deux équipes. Lucas Schmidt qui va venir devant lui. Pressing des Milanais. Attention de ne pas trop jouer au chat et à la souris. Attention avec un ballon perdu. Récupération Luca Finelli qui l'a laissé finalement à côté de lui le tir. Oh, c'est magnifique. Superbe ballon enroulé de Matteo Gabbia qui peut marquer le 1-0 pour les Milanais sur une grossière erreur de la défense baloise. C'était déjà une erreur face à l'équipe lors du premier match, lors de la rencontre face à Arsenal. Et encore une fois, la défense se fait surprendre. Cette fois, c'est Matteo Gabbia qui en profite. Il ne tremble pas pour le dernier geste. Et il adresse un superbe tir enroulé. C'est 1-0 pour Milan dans cette 20e minute de la première mi-temps. Ce ballon glissé sur le côté avec la montée de Zunic qui a mis devant lui avec Malinowski qui prolonge la sortie du gardien. Pas de danger là pour Lorenzo Barbaglia qui va pouvoir dégager pour sa formation. On est dans la 21e minute. Hein. 45 secondes d'arrêt de jeu dans cette première période. Et l'équipe milanaise qui mène au score 1-0 et qui va regagner les vestiaires sur cet avantage en sa faveur sur une erreur défensive, on l'a dit, des Balois et un profit finalement de Matteo Gabbia qui permet aux Milanais de s'imposer. Mais le match est loin d'être terminé. Ce corner de la deuxième minute hein, dans cette seconde mi-temps. Et ce ballon mis très très loin au deuxième poteau, dégagé par la défense avec une reprise. Ouais, le ballon qui est passé, c'était bien fait là, de la part d'Andrea Muti. Et les Balois qui repartent rapidement à l'offensive. On cherche l'espace. Trois défenseurs milanais pour contrer le joueur balois. Et ce dernier qui va obtenir un coup franc. Une belle balle d'égalisation là pour les Rennais. Ballon mieux dans l'axe du terrain, le but. Superbe cette frappe de la tête et le but qui est annulé. Alors que s'est-il passé sur cette action? Y a-t-il eu peut-être bousculade hein. Le secteur montré par l'arbitre, c'est l'endroit où il y avait un duel entre deux joueurs. Le but est annulé. On s'est emballé un peu vite. On en reste à 1-0. Mais alors quelle superbe frappe de la tête de Janic Cuccinelli qui avait l'espoir d'avoir égalisé et un espoir vite anéanti sur la décision de l'arbitre. Ricardo Forte là, qui peut repartir, mettre ce ballon à côté de lui. Encore 12 minutes à jouer dans cette rencontre avec ce centre tendu. Un ballon qui va finir sa course dans les bras du portier Domenico Fedele qui relance
pour l'équipe baloise sur la recherche de l'égalisation. Malinowski devant lui, le contre sur cette action sur Selant. Et le coup de sifflet de l'arbitre avec un coup franc et un avertissement qui sanctionne le pressing des hommes de Werner Mogg à l'image d'Engi, là, Michael Engi. Oh, attention, ballon perdu, mal relancé. Malinowski à l'interception. Malinowski, le crochet, il va passer. Oh, avec. Non, il va donner un carton aux joueurs de l'équipe baloise pour avoir simulé. Et on est pratiquement de son avis, là, il faudra voir le ralenti. On a vraiment le sentiment qu'il a plongé et l'arbitre ne s'est pas fait avoir là sur ce plongeon du jeune Sébastien Malinowski. Au Gabia qui va venir mettre de la pression et ça paye avec ce ballon récupéré par les Milanais. Le décalage de Lorenzo Cortinovis avec une frappe. Ouais, ça passe finalement proche du poteau. Bien capté ce ballon par le portier qui peut se saisir de ce cuir. Domenico Fedele, les ballons qui repartent avec un ballon mal relancé encore une fois et le buteur Gabia qui a pu s'en saisir, peut-être une possibilité. Attention, le laisse aller là sur cette action Ricardo Forte et finalement eh bien cet envoi qui n'est pas cadré, qui n'inquiétera pas le portier Fedele. Malinowski pour ce coup franc de l'espoir là pour les ballons. Oh, il est mal tiré avec un cuir finalement détourné. Et Viola au contrôle, un ballon perdu maintenant, récupéré encore une fois par les joueurs rennais. Centre tendu, avec le sauvetage magnifique du portier, avec cette frappe et le coup de sifflet de l'arbitre. Alors qu'a-t-il sifflé? Ce ballon qui est parti, qui a fini sa course au fond du but. Sans doute une position de... Non, ça serait probablement pas une position de hors-jeu. Oui, peut-être. Oh, il s'avance drôlement avec le ballon, là, quand même. C'est pas dans ce secteur que s'est passée l'action de tout à l'heure, mais finalement, eh bien, c'est un dégagement pour le portier Lorenzo Barbaglia qui va pouvoir relancer les affaires de son équipe à la 17e minute de cette seconde mi-temps et cet avantage pour les Milanais. C'est unique but marqué par Matteo Gabbia. Ce ballon récupéré par les joueurs milanais. Peut-être une faute de main, l'arbitre qui laisse jouer ce contrôle de Forte. Avec le décalage maintenant pour l'équipe de l'AC Milan, une frappe puissante. Ouais, c'est détourné par Fedele. Alors, superbe frappe signée Ricardo Forte. Et ce tir qui prenait la direction du but sans l'intervention magistrale du portier. L'arbitre qui a regardé sa montre et qui ne devrait plus tarder à siffler la fin de ce match qu'il fait à l'instant sur le plus petit score en faveur de Milan qui remporte ses trois premiers points de la compétition. Les Balois qui vont rester bloqués à 3 points. C'est un groupe extrêmement disputé avec ce succès des joueurs italiens. Ça nous promet encore de belles empoignades pour la suite du tournoi.